Bonjour à tous les gamers. Alors aujourd'hui on se retrouve sur The Evil Waiting pour le chapitre 5. Donc bah voilà, hein, tout simplement. Donc, j'espère que ce let's play vous plaît toujours autant. Et que bah que vous regardez si possible la nuit. Hein. C'est un truc que je répète souvent, mais enfin je sais pas, moi je sais que voilà, j'y joue la nuit. Et je sais pas, je trouve ça plus agréable, on va dire ça comme ça. Même si il m'en faut beaucoup pour avoir peur et que il y a pas grand chose qui me fait sursauter en soi. Voilà, je sais que c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Donc, mais dites-moi dans les commentaires si vous justement vous faites le jeu ou si vous regardez le jeu de nuit ou pas. M'hospitaliser. Ça peut être intéressant de savoir, juste enfin que moi je sache. Alors, on atterrit là. Ok. Donc déjà, on va recharger parce que j'ai plus de balles. Ensuite, donc là on a des balles tranquilles. C'est quoi ça? Bon, pour ceux qui savent lire l'anglais, je vous le montre. Moi je ne sais pas. Donc voilà. Ouais. J'ai du mal à savoir où on est rendu. Voilà, c'est pour retourner, d'accord. C'est cool ça. Ça c'est cool aussi. Hop, je vous laisse lire. Voilà. Je sais pas si on a du gel ou pas, je sais plus. On va aller voir. On a dû en avoir quelques-uns pour améliorer quelque chose quand même. Je pense. Nécessaire, mon cul, oui. Alors, je ne vous avais pas vu depuis longtemps. C'était l'autre chapitre qu'on s'est vu. C'est pas si longtemps que ça non plus. Bon, je vais prendre l'excès. Salut, ça va? C'est une bouse, on s'appelle. L'enquête sur le tueur en série piétine. La communauté reste prudente. Invoquant l'absence de nouvelles pistes, la police soupçonne le tueur en série de s'être caché ou d'avoir quitté la région. Ah ah. Mais j'ai pas eu à se regarder, je viens de commencer. Oh, putain. À chaque fois je vais là, à chaque fois je suis paumé. Hein. Je sais pas si ça vient de moi, mais... Je sais pas quoi... Ah, je peux pas aller améliorer quoi que ce soit. À chaque fois. Je peux même pas aller dans ma chambre. Bon, bah, je vais faire le tour, écoutez. Soit à chaque fois, je ne peux rien faire. Et à chaque fois, je suis bloqué. Ouais, là, je peux ressortir en fait. D'accord. À quoi c'est ça que je suis rentré? Je peux rien faire. Alors, du coup, bah, on est reparti. Hein. Ça a rien que j'y retourne. Voilà. Alors, les habits intérieurs. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qui pleure? Ouais, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle est morte, la machine. Ouais. Ouais. On va faire ça. Hop, voilà. Imaginons qu'elle est morte. Ok. Donc là, je peux pas rentrer. Je vais prendre toutes les portes une par une. Pour voir ce qu'il y a. Tout simplement.
Là, 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 là. Ouais. Hey, je suis en 18 000 quand même. Ok, bon, c'est quand même pas rien quoi. Dommage qu'on peut pas améliorer quoi. C'est vraiment dommage. Bon, c'est encore moi qui ai rien compris. Hein. Derrière. Ça se peut. Hein. Ça ne m'étonnerait que guerre. Il m'inspire pas vraiment l'autre là-bas. Hein. Franchement, je l'ai vu. Hein, ça peut, hein. Si vous me posiez la question, je l'ai vu. Mais il ne m'inspire pas. Là-bas, il a rien vu. Bon, c'était lui. Je sais pas du tout, en fait. On continue ce qu'on a prévu. Ça ne me rassure pas cette affaire. Bon, là il n'y a rien. Je regarde un petit peu en haut hein, s'il y avait quelque chose. Il n'y a rien. Je sais pas pourquoi j'ai envie de passer en scred. Ah, ça sent le plus 1000 ça ou un truc comme ça. Yeah, plus 1000. Vu la grosseur, je me suis dit, ça vaut le coup. Putain, mais sérieux, comment ça pue la mort quoi. Il va falloir que je descende. Ouais, je m'en doute bien, ça. T'inquiète pas, j'ai pas compris, mon garçon. Ça en vrai, en plus. Waouh, magnifique bug. Regardez-moi ça. Voilà, c'est magnifique. Je vole. Voilà. Il y a des petits rats, mais c'est pas gênant. Voilà. Je
mais sérieux, ils ont pas trouvé autre chose quoi. Comme être la Jésus Sainte Marie pleine de grâce. Je vais pas prendre ça. D'accord, très intelligent. Très intelligent de ma part. Je regardais juste si je pouvais. D'accord. Ça aurait été des carreaux vu que ça pue tellement la merde que. J'aurais voulu me préparer. En plus, là, c'est pas de contrôle. Dégage, toi! Je vais pas sonner les cloches. Les gars, bouge. Waouh. Eh ben niveau vie, on n'est pas gâté, hein. Franchement, clairement là, on n'est pas gâté. Et franchement, on ne trouve aucune seringue en plus depuis tout à l'heure. ACSP. Putain, mais. Comment être emmerdé par une connerie? Bon, là, clairement, là, je peux rien prendre. Il y a rien à prendre ou je ne peux rien prendre, je sais pas. Alors, ensuite. Là, on peut ouvrir. Ok, cartouche. Ok. Gars, sérieusement. Il n'y a plus de balles. On est un peu dans la merde. Je ne sais pas voler. Clairement, on est dans la merde. J'ai une balle de pistolet, mec, ça en fait loin. Ok, ok, ok. Bon, bah. Au moins. Ça me permettra de savoir qu'il faut économiser mes balles. Enfin, je savais déjà avant, mais. Bon. Bon, on sait que. On a des ennemis qu'on ne voit pas. Par contre, moi, ça m'intéresse de savoir ce que c'est du coup, là. C'est fermé. Il me faut une clé magnétique. D'accord, ok. Je comprends mieux maintenant pourquoi je fasse ça. On le fusil à pompe directement, je pense être beaucoup plus simple. On va allumer en torche. Okay. Je commence à m'y faire.
Là, franchement, je suis assez contente. J'ai pas perdu de balles inutilement, on va dire. Ça reste quand même correct. C'est plutôt cool. C'est bizarre qu'elle est dans tout sans rien prendre, c'est quand même assez bizarre. Il y en avait un autre, bon, j'ai plus aucune idée où il était. Ok. Hop là! La petite esquive de merde. Ah, je n'arrive plus à vite faire pousser ce chien. Alors, s'il te plaît, cours. Ah, c'est très bien, courir pour toi, c'est pas une grande chose. Putain! C'est pas possible ça! Ah, c'est meurt! Ah putain, on est vraiment, vraiment, vraiment en galère de seringue. Vraiment en galère. Mais bon, c'est pas grave en soi, j'ai envie de dire. Après, on a des grenades, mais je me vois mal lancer des grenades sur quelque chose que je ne vois pas, quoi. C'est, je sais pas, c'est assez bizarre, quoi. Non, on va essayer au flingue, au pistolet, je veux dire, y a pas de soucis, hein, de toute façon. Je vais dire... Il n'y a aucun souci. Voilà, c'est fait. Ok, on brûle. Bon machin. Là, je l'ai. 5 balles, ça va être juste quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, les potes, mais. Moi, je pense vraiment que ça va être juste, juste. Je pense aussi que ce serait bien de prendre le fusil à pompe. Parce que là, on sait clairement qu'il va venir là. Donc... J'ai un désespérément aussi. Je ne vois pas quelque chose qui pourrait m'aider. C'est assez spécial parce qu'en fait on sait pas trop si c'est nous qui faisons du bruit ou c'est justement bah, les zombies quoi. C'est vrai que c'est assez bizarre comme sensation entre guillemets. Je vais pas sortir fils de chien. Yes, ça. Ah, bon, j'espère qu'il n'y en a pas 36 000 hein, quand même, parce que bah, c'est vrai que sur le niveau des balles ou autre. Là, on a quoi? Une balle fusée à pompe, ouais, 5 de pistolet. Hein. C'est quand même assez ça. Puis esquiver quelque chose qu'on ne voit pas, c'est pas non plus. C'est pas non plus super. Alors, où sommes-nous? Alors,
des cartouches. C'est bon ça. Très bien. Ah bah voilà, carte magnétique appartenant au monde, ouais. Et on a une seringue en plus, c'est plus la seringue qui me soulage. Et ce que je trouve louche, c'est le monsieur là qu'on peut pas brûler, on ne peut rien faire avec lui. Ouais, ça c'est spécial. Ça par contre, je trouve ça très spécial. Allez, on y va, on va attaquer les magnétiques dans le... D'accord. Putain, gars, il y a quelqu'un derrière toi. Sûr de moi. Sûr de sûr. Est-ce que tu pouvais juste se dépêcher un petit peu? Je deviens parano, j'ai l'impression. Je deviens complètement parano. Ouais, d'accord, je suis toujours en galère. Par contre, je vais prendre la seringue maintenant. Voilà. Vous voyez ce genre de truc là, là. Il me saoule. C'est pas la première fois que je vais faire des arrêts cardiaques avec ce bordel là, franchement. Tiens, mon copain. Je suis pas mal, tu peux mal, c'est ça. C'est quoi ce bordel? Alors. Ok. Ça, le plein. Il sait. Possibilité que XPK. Bizarrement, lui, quand on le voit, on n'est jamais très content de le voir, on va dire. C'est jamais pour une bonne chose. Ok, donc là c'est son frère qui est en train de le découper, je pense. Enfin, l'âme de son frère, on va dire. Je peux juste dire ça comme ça. Là, on voit. Ok. Ah, d'accord, en fait, où est-ce qu'on regagne, nous ouvre la porte. D'accord. Donc, c'est un peu, ils ouvrent la porte sur ce qu'on pense qu'est le mieux. Ouais, là c'est toujours mieux. Il dort. Le déroulant. Ok, j'ouvre la bonne porte. C'est pas la bonne porte, mais c'est pas la bonne personne. C'est quoi cette femme qu'on entend pleurer comme depuis tout à l'heure? Ah, note du complexe souterrain. Il ment, il est à son propre fils, la chair de sa chair. C'est révoltant, elle ne souffre plus. Sale hypocrite, sale moralisateur, je sais tout. Je le connais mieux qu'il ne se connaît lui-même. Il essaye encore de me punir. Il n'a jamais apprécié notre proximité. Il pense pouvoir l'utiliser contre moi. Il me prend pour un demeuré. Laura n'est pas morte. Ouais, bon. Sur ce, moi je me casse. Je peux pas me casser. Ok, bon, moi je peux partir. Pourquoi je ne peux pas partir? Ah!
Elle est belle la blague. En gros, t'as deux boutons. Tu choisis le bouton que tu veux. Donc en fait, il y a un des deux boutons qui va te tuer. Voilà, soit t'as une chance de cocu, soit tu n'es pas une chance de cocu. Et tu meurs comme moi, voilà. Ah, c'est la mort la plus horrible, je crois. T'as aucun moyen de te défendre, t'es comme un con, clairement. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. On va aller dans une autre pièce. Hein. Voilà, celle-là, par exemple. Voilà, on va aller dans celle-là. Parce que j'ai pas envie de remourir comme un con, clairement. On va faire toujours ces deux putains de boutons, en fait. Assimilation de la conscience du sujet. Premier symptôme, douleur aiguë dans le tronc cérébral au niveau du point d'insertion. Suivi d'une hémorragie graduelle résultant de la dilatation des capillaires. Au bout d'un temps, la dégradation de l'ego génère des tendances suicidaires. Ils ne savent plus qui ils sont, et deviennent aussi facilement malléables que l'argile. Mais pas moi. Quelque chose m'empêche de rester complètement en contact. Bon, sachant que tout à l'heure j'ai pris le bouton droit, c'était pas le bon, c'était celui de gauche. Que c'était la pente du milieu. Là, je serais d'avis que ce soit le bouton droit, du coup. Donc là, c'est bon. Ah, c'est bon, je peux sortir donc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ensuite, là. Donc c'est le bouton de gauche. Non, je m'en fous de ça, je vais prendre la porte en fait. C'est là, c'est le bouton de gauche. Ça, on l'a eu tout à l'heure. Donc là, du coup, c'est le bouton de gauche. Voilà. Donc là, on est d'accord. D'accord, ok. Donc là, sans aller, c'est les âmes qui doivent partir en être plein la gueule après. Ça va être sympatoche. Et du coup, si on fait gauche, droite, la logique voudrait que celui-là soit le droite. Normalement. Droite, gauche, parce que droite c'était droite, milieu c'était gauche, gauche c'était gauche. De toute façon, là ça va être une chance sur deux, donc de toute manière, je vais vous dire, ça va pas être plus compliqué. Bon, voilà. Moi je dis gauche. Ouais, c'est bon. Chance. J'ai eu de la chance. Oh putain, tout le monde se regroupe là. C'est le truc qui pue la mort, mais à son maison. Ouais, moi personnellement, je vois ce genre de porte s'ouvrir devant moi, je n'y vais même pas. Ouais, j'ai pas le choix, mais en réalité, ce serait moi, non, je n'irai pas. Clairement, je n'irai pas. S'il n'y a rien d'autre, des fois que. Non, ça ne s'imagine pas. Alors, pourquoi on s'attend là? Josette! Pas Josette?
Ok, ça a l'air d'aller. Je sais pas si ça va. Mais je suis loin d'être en forme. C'est toi qui m'as amené ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal au crâne. Comme si... Tu entends ça? Il faut qu'on sorte d'ici. Ça ira. Ouais, je... Joseph! Sonia Lee, note, ne consomme pas d'objets de santé. Il me reste encore un peu de force. D'accord. Bon, tu attends 5 secondes. Je fais le tour. Hein. Ça n'a pas avancé grand chose. Est-ce que je suis peut-être maintenant ou pas? Bon, moi je viens d'avant de derrière, donc. Dépêchons-nous de filer d'ici. Alors déjà que seul on avait du mal, alors là si on est deux plus un pied boiteux. Oula, putain, c'est quoi ça? Ah, je suis sûr que ça va servir à quelque chose. Ok, bonjour. Tout c'est pareil, je t'avais pas vu sur la section de garçon. Ok, y'a rien. En gros, là, c'est un peu comme les Kinder Surprise. On sait jamais à quoi s'attendre. Ok. Tu peux prendre les balles, mon garçon, s'il te plaît? Ça va, j'ai bien les balles à toi. Ok. Ok. Et je crois que j'ai tout ouvert. Alors, je vais la pompe. Hop, on va recharger un petit peu. Voilà. Et on peut ça. J'avais la barrière de tout à l'heure. On était tous alignés. Merde. Plus de munitions. Joseph, tu pourrais pas m'aider un tout petit peu, s'il te plaît, parce que là, franchement, c'est un peu la galère. Et ça pue un peu la merde. Aïe. Joseph, en mode rien à foutre, hein, c'est vraiment ça. Joseph, s'il te plaît, putain, je sais pas, merci, aide-moi quand même, parce que là... Je vois clairement qu'on a besoin de... On peut pas trop compter sur toi. Moi, je l'ai vu. Mais bon, on va me voir plus tard que jamais. Même si je m'en doutais un petit peu quand même. Hop. Voilà, bon. On est parti. On est reparti plutôt. Hop. Ok.
balle. Ensuite. Là, c'est pareil, il y a un bidon, et ça vient à rien. C'est logique. Bien sûr. Je te dérange pas pour moi. Hop là. Ok. C'est tout ce gars. Bon. Bah, je sais pas, moi. Le mec, il passe à côté d'un mec pendu. Ça, ah, ça le choque pas, hein, je peux te dire. Aucun problème. Aucun souci. Ah, mon garçon. Allez, bonne pendaison. A plus. Ça fait vraiment ça, quand même. Ça fait vraiment ça. Bon, moi, le bidon, là, il me... Je sais pas. Je trouve ça assez bizarre. Bon, on va descendre, de toute façon. J'ai pas le choix. Le bidon, je sais pas qu'il est rendu, du coup, tout ça. C'est quelque chose de sophistiqué. Pourquoi poser une bombe comme ça? T'as un moyen de t'en débarrasser? Recule. Oh oui, t'inquiète pas. Je vais tenter de la désamorcer. Je vais pas rester à des pattes, hein. Je vais y avoir des questions, ça. Faut que tu te loupes au moins avec toi qui meurs. Il a réussi. Ah. Mais c'est quoi ce bruit? Je croyais que c'était électronique. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ok, d'accord. Ok, super. Joseph, après Conley, j'ai cru que... Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je me sentais pas très bien, mais... Moi, fais-t'en, mon garçon, je vais te buter sinon. Écoute, on doit sortir de là. C'est pas normal ce qui se passe ici. Ouais. Ouais. Franchement, méfie-toi, mon pote. Hein. Ça va, je vais bien. Méfie-toi. Hein. Parce qu'une balle entre les deux yeux, tu vois, ça va être trop drôle aussi. Heureusement, bah, fait perdre la santé, parce que ça allait manquer un peu que ça, finalement. Bref, j'ai perdu toute ma barre de santé, ou alors il me restait pas grand-chose. Super, j'aurais été contente, tiens. Alors... Ça, je prends, déjà. Hop. Ça, je prends aussi. Je prends aussi. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, mais je m'en fous, il n'y a pas, c'est pas chronométré. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, on n'est pas payé à la minute. Ah bah c'est cool par contre. Y a pas le petit livret comme d'habitude? Non. Ok, bon, on va aller convertir nos 28 000 points, hein, ou je sais plus combien on avait. Hein.
c'est que je sais plus lequel est la dernière fois. Je pense qu'à être 32 000, on va quand même améliorer beaucoup de choses quand même. Alors. Agonie, c'est quoi déjà ça? Ok. Coup critique. Améliorer la précision également. La capacité chargeur également. Cadence de tir également. Et multiplicateur de dégâts également. Ensuite on va passer au fusil à pompe. On va faire la même chose. Cadence de tir. Vitesse de rechargement. Capacité de tir chargeur. Et coup critique, on va le faire deux fois par tac et tac. Voilà. Ensuite, aptitude. Efficacité des strings. Ouais. Attaque au corps à corps. Sprint. Jauge de vie. Ok. Voilà. Et bah écoute, on a pas mal amélioré. C'est cool. Bon, du coup, moi je serais d'avis de sauvegarder. Ok, on peut pas. Je crois qu'il y avait un miroir. Par là-bas, quelque part. Là. Ok, on peut pas s'en servir. Putain, cette porte-là, généralement, elle est jamais fermée. L'infirmière a trouvé autre chose. Oh non, par là. Beaucoup de nouvelles admissions, mais pas un seul de sortie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Lâche-moi, lâche-moi. C'est quoi ce truc? Fragment de carte, ok, c'est cool. Ça va. C'est l'esprit, ça? Ça va. Vous n'avez pas bonne mine. Faites attention à vous. Elle me prend pour une conne. J'aime pas ça. J'aime pas qu'on me prend pour un con. C'est bon, on peut plus l'ouvrir maintenant, tiens. Et passer les seins là la dernière fois. Bref, retournons dans bas de là où on était. Avec notre ami Overdraft. Voilà, ça passe trop, ça nous prête le port. Bon.
Ok. Kidman! Faites-moi sortir de là! Attends une seconde. C'est encore un piège. Regarde. Et bien plus élaboré. Joseph, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Tu ferais mieux de rappliquer. Eh ben t'inquiète pas, j'avais compris, hein, je suis tout seul. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux, Toyota? Là. Est-ce qu'on peut m'aider? C'est bon, pote. Mission. Allez! Ces horreurs. C'est bon? Et quel que ça va? Putain. Ah, tu peux le dire, putain, tiens. Dépêchez-vous. Sébastien, ils sont au-dessus. Est-ce que j'ai des seringues? Ouais, je sais. Ouais, c'est en crame. Attention, ils ont été explosifs. Ah putain, tu sais. Ah, je me suis dit, ouais, ça va être bon et tout, je vais pouvoir lui mettre. Je vais pouvoir lui mettre. Il y a encore quelque chose. Bah, non.
a d'autres qui rappliquent. C'est pas les héros, recule. Qu'est-ce qu'on peut faire à la pauvre fille pour la sauver? Putain, mais. Ouais, ça je m'attendais pas par contre. Allez! Bouge, 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 bouge! Fusée à pompe, fusée à pompe, tout rien. Grenade. Ok, ensuite. Pistolet. Allez! Est-ce que c'est gros ou pas? Apparemment. Hop. Ensuite. Ah, faut bien, j'en ai un. C'est bon! Allez, bouge. Attention, ils ont des explosifs. Ah. Mais Joseph, pas toujours en forçage. Non. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Franchement, c'était Joseph qui était devant moi, je suis quand même pas folle, quoi. Ah, je sais pas où qu'on reprend en plus, ça, c'est dommage. C'est dommage. Ok, on reprend la merde, c'est ça, d'accord. Est-ce que ça va? Au-dessus. Ok. Oh. Putain, je brûle. À seringue. Non mais je viens de la foutre ma seringue, faut arrêter un peu là. Ah non, putain je gueule, c'est un truc que j'aime pas ça quoi, franchement. Ah, putain je sais qu'il est lent mais quand même. Aïe aïe aïe. Aïe, pas très rapide notre acteur.
En fait, Tactics, c'est vraiment de... dans le but 1 pour dans le but 1 et de les voler en fait pour avoir tout. C'est vraiment ça. La tactique aussi, c'est plus difficile que ça, les gars. Voilà. Bastien, il est au-dessus. Parfait, il tire. Putain, mais je suis pas arrivé à la tête, c'est quand même. On sait qu'il y a du qui rapplique. Merde, je suis pas trop. Allez, on recule. Bon, je vais sauter, j'espère. Mais lâche-moi toi ça, le terrain. Ah, je me frappe direct. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Sérieux. Mission. Je te laisse m'en occuper, moi j'ai plus de balles mon gars. Attention, ils ont des explosifs. Juste. Jeter un coup d'œil à ce truc. Attends mon gars, j'arrive.
J'arrive pas à l'ouvrir. Je crois qu'il y a un autre panneau de commande par ici. On n'a plus beaucoup de temps. Où il va, ce tuyau? J'y vais. Dis-moi ce que je dois faire. Carreau électrique. Et il sort. Je crois qu'il y a un autre panneau de commande par ici. Il y a quelque chose là. Je crois qu'il y a un autre panneau de commande par ici. Panneau de commande. Il a le même type de cadran, non? Ouais, un en haut et un en bas. Règle celui du haut sur 22 et celui du bas sur 5. Est-ce que ça va? Ah, c'est dingue, il faut toujours qu'il arrive quelque chose. Bon, moi je vais aller les chercher après. Pour l'instant, je vais faire le tour s'il n'y a pas des choses à récupérer. Alors, parce que bon, c'est quand même dommage de passer par à côté de belles choses, quoi. Comme du gel, comme des armes, comme pas mal de choses comme ça. Là, il n'y a rien. Là, c'est à l'autre côté. Voilà. J'ai posé la question quand même. Est-ce que je peux lui prendre ou pas? Alors ensuite, là on n'a rien. Là on n'a rien. Donc là c'est pas de contrôle pour moi, mais bon, c'est pas ça. Je sais pas ce que c'est. Ensuite. C'est un peu le tour. Tenez bon, j'arrive. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Non. Ok. Ok. Là, il y a du gel. Là. Ok. Ensuite, ensuite, je sais plus où on était là tout à l'heure. Je sais plus par où on a été.
ça vous convient, mon ami. Ensuite, là. Y'a rien. Ok. Où ils sont? Où est-ce qu'ils sont barrés? C'est clair. Bizarre quand même, ils sautent, tout le monde meurt, mais eux ne meurent pas. Hein. C'est bizarre, je veux dire. Ah, vous voyez, gros cul n'aurait pas pu passer là. C'est mort. J'ai l'en haut, j'ai l'en bas. Je déballe en haut. Ça se prend. Juste recharger mon fusil à pompe. Voilà. Point de contrôle. Ah, c'est ce que Joseph qui tire. Tenez bon! C'est ça. Ça, vous voyez, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Je suis en train de faire un truc qui est banal. Voilà.
le tour, c'est déjà autre chose. Qu'est-ce que c'est? La porte semble verrouillée par l'autre côté. Sébastien, peut-être qu'on peut la soulever pour que Kidman passe en dessous et l'ouvre de l'autre côté. On compte sur vous. Ça marche. Allez! Dépêche-toi. Et là, schlack! Allez, bonne chance, ma fille. Hein. On y va. Et tu veux qu'on aille où? Par là. Allô. Merci, madame. Merci de nous avoir ouvert la porte, c'est mignon. Content de vous voir en un seul morceau. C'est bizarre. Pourquoi vous capturer au lieu de vous tuer? Peut-être que je ne suis pas une menace pour lui. Lui? Avec ce symbole. Inspecteur Sébastien Castellano et Miranson ont l'immense choix de vous convier à la célébration de leur union. Quoi? Ah bon? Tu vas te marier, toi, mon garçon? Samedi 17 septembre 2005 à midi et demi, hôtel Véranda. Non, il est déjà marié. Ok. Non, c'est un jeu étrange, j'ai pas de points, j'ai rien à faire, vraiment. Plus les chapitres avancent, plus je commence vraiment à être en galère de niveau des munitions, etc. C'est plus la mallette que je voulais voir à la base. Explosif. Ok, c'est chaud, c'est cool. Ok, bon, ça va, c'était simple. Ok, ça me prend. Là, on passe pas. Ça reste quand même assez cool. Hein. On n'a pas trop à se plaindre, ça reste quand même assez cool, c'est tranquille. Faut plus chercher, on va dire, par où passer que autre chose. Donc là, j'oublie pas ce que c'était. Parce que la dernière fois. Ah! Pourquoi t'as mal? Thank you.
merde, la porte. Le feu, ça a l'air de marcher. Ok, j'ai super bien géré, c'est cool. Putain. Ah mais où vous voyez ça, ça a raison. Putain, mais... Ah, c'est le truc qui va me prendre la tête. Oh, c'est le truc qui va me prendre la tête. Si vous aimez les tirs aux pigeons, voilà. J'ai niqué toutes mes balles à ces corps. Non, mais ça arrive. C'est un carreau explosif, donc c'est le bon. Alors maintenant j'ai plus aucune balle, c'est cool, c'est chouette, c'est formidable. Sur une grenade ça va être trop bas pour que ça tu pète avec. Pff, ouais c'est bon, on se casse. Je sais même pas si j'y arriverai comme ça. Vas-y, ah, c'est venir. C'est bon, je me casse. Vas-y, garde-le, ta statue, va chier avec. Crève avec, si tu veux. Oh putain, pas si vite, pas si vite, pas si vite, pas si vite, pas si vite. Ouais,
là, je sais pas du tout où j'étais rendu. Là. Là, j'étais perdu. Je sais pas du tout si elle marchait, mais on va essayer. En fait, le but, c'est, je crois que c'est de vraiment l'éliminer. Et, ouais, je sais même pas. Enfin, s'éliminer avec le feu, c'est sûr, mais du coup... ça serait... Je vais essayer de prendre le bidon et l'envoyer jusque là-bas. Vous savez, dans la zone où il y a le feu, là. Je pense que ça va être très long, parce qu'à coup de pied, ça va dire qu'on va... Allez. Hop. Hop. Ouais. Franchement, je comprends pas où j'ai merdé, quoi. Putain, je comprends pas où j'ai merdé du tout, quoi. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, franchement, je pensais vraiment qu'elle était crevée, qu'elle était en dessous, là-bas. Bon. Bon. Je pense quand même que c'est, j'ai l'idée, hein, c'est... mec, sérieux, putain, mais bouge! Qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment fond dedans, je vous ai vraiment pas beaucoup parlé, mais j'étais vraiment fond dedans. Alors, c'est là, je crois que c'est ouvert.
bouge un peu. Rentrez. Le dossier du sujet évoque un retard de développement ainsi que des problèmes de communication, de cognition sociale et de comportement répétitif. Signe de synesthésie manifeste. La généalogie évoque une forte sensibilité aux stimuli extérieurs, avec capacité d'adaptation. Serais-tu ce que je cherche depuis toutes ces années? Et juste sous mon nez. Incroyable. Ça ne fait plus de doute. Il est bien compatible. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, je me pose un peu la même question, gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Plus de munitions ? Bonjour, salut, ça va, on se fait comment tu s'appelles ? Touche pas, quoi. Ok. Ah.
Ok, bah chapitre 5 terminé, les gens. Les gens, les potos, les abonnés, tout le monde. Donc, bah écoutez, voilà. Je sais que j'ai du mal à comprendre que ma dernière phase. Bon, ça c'est fait. J'en ai bien chié aussi pour la magnifique créature là qu'on voit sur la gauche. Mais bon, ça c'est fait aussi, hein. Avec le feu, tout est possible. Donc voilà, bah, en espérant que le chapitre vous a plu, que la vidéo vous a plu, et bah voilà, hein, tout simplement. Je vous souhaite une bonne nuit, parce que moi je vais me coucher, et bah à bientôt sur Jesso Gaming et sur The Evil Writing.